Mais hier, hormis la foire, il y avait également à Lyon un autre événement important, la venue de la figure de proue de la lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis, le pasteur Martin Luther King. Et la bourse du travail s'est révélée trop petite pour accueillir toutes les personnes venues écouter le pasteur King, prix Nobel de la paix 1964. De nombreuses personnalités, dont son éminence le cardinal Villot, le pasteur Adger, le grand rabbin Kling, assistaient à cette manifestation organisée par 27 associations de notre région, dont l'ALICA et le Cercle pour la liberté de la culture. Après que la chorale du lycée du Parc ait chanté les Negro Spirituals, le pasteur Martin Luther King prononça un long discours. Depuis l'abolition de l'esclavage, devait-il dire, les Noirs américains ont été encore exploités. Mais actuellement, une possibilité de révolution non violente a fait son apparition. Notre lutte se poursuivra, conclut le leader noir, et nous triompherons un jour.